C'est comme une onde aérienne qui glisse sur les surfaces, s'imprègne de leur émanation visible pour les définir et les modeler, et emportée partout ailleurs comme un parfum, comme un écho d'elle, qu'elle disperse sur toute l'étendue environnante en poussière impondérable. Le monde où il vivait était triste. Un roi dégénéré, des enfants malades, des idiots, des nains, des infirmes. Quelques pitres monstrueux vêtus en princes, qui avaient pour fonction de rire d'eux-mêmes et d'en faire rire des êtres hors la loi vivante, étreints par l'étiquette, le complot, le mensonge, liés par la confession et le remords. Aux portes, l'auto-da-fé, le silence. Écoute ça, petite fille. Un esprit nostalgique flotte, mais on ne voit ni la laideur, ni la tristesse, ni le sens funèbre et cruel de cette enfance écrasée. Velázquez est le peintre des soirs, de l'étendue et du silence. Même quand il peint en plein jour, même quand il peint dans une pièce close, même quand la guerre ou la chasse hurle autour de lui. Comme il ne sortait guère aux heures de la journée, où l'air est brûlant, où le soleil est un tout, les peintres espagnols communiaient avec les soirées. C'est beau ça, hein, petite fille? Tu es fou de leur lire des choses comme ça. Allez, au pieu, les petits vieux. Pourquoi il ne les a pas encore couchés? Parce que monsieur...